to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Un achat de Stephen Gallet, une pochette à la Roger Dean, un concept album de fantasy et un style musical proche de Kairos, l'album Film possédait a priori de nombreux atouts pour me séduire. Film, le troisième album du groupe Azure, venu de Brighton, est sorti le 23 mai 2024. Un double CD avec 12 morceaux dont deux longs formats, le triptyque Sky Sailing d'un peu plus de 11 minutes et Trains of Nalu qui dépasse lui les 16 minutes. De quoi vous occuper quelques heures si vous lui consacrez plusieurs écoutes. Azure navigue entre rock progressif bondissant, fusion et métal. Un quatuor sans batteur, rejoint par quelques invités dont Andrew Scott qui officie derrière les fûts. Le groupe est porté par Chris Sampson, qui joue des cordes vocales, acoustiques et électriques, qui écrit les textes et qui est à l'origine de Lu, un roman de plus de 300 pages disponible avec l'album, pour ceux que cela intéresserait. Et si le bouquin est assez épais, les textes le sont également. Il y a de quoi lire et écouter sur cet album. En parlant de concept, Film raconte la quête des fragments d'une arme noire par Film Sallow, une femme sous l'emprise d'une puissante sorcière. Bref, tout un programme. Pour la proximité avec le groupe Kairos, ne la cherchez pas du côté du prog électro, mais plutôt dans les montagnes russes vocales et les compositions très riches qui partent dans toutes les directions. Alors évidemment, ne comptez pas écouter Film en faisant la sieste. Ça n'est pas possible, l'oreille est sans cesse sollicitée sur cet album avec relativement peu de plage pour se poser. Sauf dans le cours Moonrise, mais bon, c'est aussi la fin de l'histoire. Alors, la voix de Chris est tout simplement éblouissante sur cet album, osant presque toutes les acrobaties et capable de monter très haut comme de livrer de beaux hurlements à la limite du scream, comme dans Trench of Nalu. Mais ce sont les guitares virevoltantes de Chris et Galen qui mènent la danse sur cet album, suivies de peu par les synthés et le piano de Chaz, ainsi que la basse bondissante d'Alex. La musique déjà bien remplie de sonorités s'enrichit encore de mandolines, thérémines, trompettes, percussions, hautbois, clarinettes, bassons et même de piano à queue. Bref, c'est très 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 riche. Le jazz fusion rejoint le prog sur plusieurs titres, comme dans Weight of the Blade. Il y a également des choses plus barrées, tout particulièrement dans la première partie de The Lavender Fox, ou encore quelques passages dans le long Trench of Nalu. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'avec Finn, vous ne pourrez pas rester dans votre zone de confort très longtemps. Alors le seul reproche que je pourrais faire à Finn, c'est justement qu'il exige une écoute des plus attentives et réclame pas mal d'énergie pour arriver jusqu'au bout, parce que 78 minutes, c'est quand même long. Mais bon, si vous êtes habitué aux albums de Yes, Kairos ou de Machine, vous devriez survivre sans problème. Donc, je vous recommande chaudement cette découverte sur Bandcamp, par exemple. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez une semaine pour digérer Film et passer à un nouvel album. On se retrouve lundi pour le prochain. Et comme toujours, vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique et si vous voulez suivre les autres. Abonnez-vous. Merci. Bisous.